Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est de retour sur Mario Kart Tour. Alors pourquoi de retour? J'ai déjà fait une première vidéo mercredi, il y a 2 jours, à la sortie du jeu. Comme tout le monde, je me suis retrouvé bien déçu face à l'écran de crash qui disait qu'il y avait une maintenance puisque tout le monde a souhaité jouer en même temps. Si vous avez raté cette vidéo, je vous mets le lien en suggestion et je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça aide énormément le développement de la chaîne. Alors, de retour car cette fois, on va s'attarder sur la coupe Donkey Kong. Donc on est dans la saison de New York. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu la première vidéo ou qui n'ont pas lu de test sur le jeu, alors il y en a partout des tests sur le jeu, tout le monde se découvre une passion pour Mario Kart avec la sortie de ce jeu. C'est un peu un événement de toute façon quand Nintendo sort un jeu sur plateforme mobile. Il y a pendant très longtemps, Nintendo avait dit qu'il ne ferait pas de jeu sur plateforme mobile, que pour eux l'avenir du jeu n'était pas là-dessus. Et il y a quelques années de ça, ils ont annoncé un premier développement avec la sortie d'un Mario Bros. Et puis maintenant, ils commencent à sortir de plus en plus de jeux. Là, on a ce nouveau Mario Kart qui, pour moi, de mon point de vue, est vraiment bien fait. J'ai lu des critiques, positives comme négatives, sur ce jeu. Moi personnellement je le trouve bien fait, je le trouve fluide, j'ai pas de soucis avec la maniabilité. Il y a 2 modes de maniabilité, soit au toucher sur l'écran, soit avec l'accéléromètre de votre téléphone, donc en penchant le téléphone dans un sens ou dans l'autre. Moi jouant sur iPad, je joue au toucher sur l'écran. En revanche, comme tout le monde, je trouve ça dommage qu'on soit en mode vertical. Ça permet de jouer à une main, mais ça aurait été plus sympa en mode horizontal avec un meilleur écran, une meilleure prise en charge. C'est toujours plus sympa de jouer au jeu en mode horizontal. C'est exactement comme la prise de photo, c'est toujours mieux à l'horizontal. Donc cette fois, on va se retrouver sur la deuxième coupe, la coupe Donkey Kong. Je vous avais montré la coupe Mario la première fois. Maintenant, coupe Donkey, on va aller voir ce que valent les circuits. Une dernière information aussi, lors de la précédente vidéo, j'avais l'impression que c'était en ligne, hein, qu'on jouait contre d'autres joueurs ou des simulations d'autres joueurs, des parties qui avaient été faites, puisque quand je coupais le Wi-Fi, je n'avais plus accès aux parties. Mais il s'avère que en fait non, c'est vraiment local et émulé par l'ordinateur. En revanche, il faut quand même une connexion pour jouer. Si on ne se connecte pas, le jeu ne se lance pas. Enfin, le jeu se lance, mais on n'a pas de liaison avec le serveur, donc on peut pas jouer malheureusement. Le mode multijoueur devrait être accessible d'ici un mois selon les annonces de Nintendo. Donc d'ici un mois, on va pouvoir tous se battre les uns contre les autres et voir qui est le plus gros PGM à Mario Kart, qui a le plus gros reste du moins, puisque ça fait longtemps que pour certains, on a arrêté de jouer. Alors il y a toujours le système, on est en sans cesser. Il y a toujours le système du nombre de points à avoir pour déverrouiller. Vous pouvez acheter un pack à 5€ si vous voulez déverrouiller le 200cc. En revanche, le jeu n'abuse pas trop hein, sur les achats de packs. Hein. On s'éclate très grandement, tranquillement, sans avoir besoin de les acheter. Évidemment, c'est toujours un plus si vous voulez plus de cartes, plus de tout. C'est, hop là, mode turbo, départ turbo, est-ce que j'appuie au bon moment? Oui, on était bien, donc on est parti, vous appuyez à 2 et vous avez un mode turbo, tac. Ça avance tout seul encore une fois, je vous l'avais déjà dit, certains le regrettent que ça avance tout seul, moi je trouve ça bien, hein. Moi j'aime bien que ça avance tout seul, au moins on n'a pas appuyé, sinon ça nous oblige à avoir 2 mains sur l'écran et ça irait à l'inverse de la volonté, hop là, je rate, c'est super, ça irait à l'inverse de la volonté des développeurs, puisque s'ils ont fait le jeu qui joue en mode vertical, c'est bien évidemment justement pour pouvoir jouer à une seule main. Donc hop, je slide derrière, j'envoie la banane et j'ai touché, et ça me met l'icône. Ça c'est bien, j'ai pas souvenir que sur le mode sur console ça nous mette l'icône. Autant il fait une mimique quand il touche quelqu'un, on le savait ça. En revanche, j'ai pas souvenir qu'il nous mettait l'icône pour nous dire qui on avait touché. Ça c'est un bon ajout, ils y ont bien pensé. Une autre chose que j'avais pas remarqué la dernière fois, c'est qu'on ne peut pas faire de sortie de route. Si vous regardez, là je peux sortir dans l'herbe, mais sinon je peux pas sortir dans les zones où je vais tomber. Je peux pas tomber dans la flotte là, il n'y a pas le petit nuage. Il doit avoir un nom ce petit personnage là sur son nuage que je ne connais pas. Mais en tout cas, je peux pas avoir ce petit personnage qui vient me repêcher et qui au passage en profite pour me voler des pièces d'or. Je crois que c'est 3 pièces d'or et il est plus rapide et quand on en a plus, il est tout lent pour nous aider à remonter. Donc là c'est pas le cas, hop là, il est sympa ce petit circuit, j'ai pas connaissance, oh là super, j'ai pas connaissance de l'avoir déjà vu sur un autre support. Il y a à mon avis pas mal de nouveautés au niveau des circuits, même si dans la coupe Mario ils nous ont placé, on a vu un petit circuit nostalgique puisqu'on a le circuit je dirais initial Mario Circuit qui était sur NES. J'aimerais bien un petit, voilà, et hop, une chacun, il en a mis une, j'en ai mis une, tout le monde est content.
Allez, on y retourne. On est bien, on est propre là. On va la gagner cette course. Il n'y a pas de raison si j'arrête de jouer comme un naze. Hop là. On pose la banane. J'aimerais bien toucher. Vas-y, 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 vas-y. Et si je touche la tête, ça me donne un turbo. Je ne le savais pas. Maintenant, je le sais. Ah non, je peux pas te sortir dans l'herbe non plus. Pourtant, j'ai déjà coupé sur un circuit dans la première zone. Donc, on peut pas. Il y a des endroits où on doit pouvoir quand même sortir de la route, mais pas là en tout cas. Et voilà. Bon, premier. 4223 points, c'est pas énorme, mais c'est bien. Si vous faites plus encore une fois, mettez-le moi en commentaire. 4002, moi je trouve que je suis propre. Hein. Je trouve ça un bon score puisque j'avais pas fait autant. Le nombre de points dépend évidemment des dommages que vous allez faire aux autres, des combien de fois vous allez toucher, les items que vous allez utiliser, votre temps, etc., etc. Et en plus, la place, ça vous permet d'obtenir des étoiles. Il faut obtenir tout le temps la première position. Ou du moins à faire le bon score pour avoir le bon nombre d'étoiles. Obtenir la première place n'est pas forcément induit ou obligatoire pour obtenir le nombre d'étoiles maximum. Il faut faire un bon score. Moi je continue avec le gros, hein. Il est bien. Hein. Moi j'ai pas de soucis, hein. Il est propre, il est tranquille, on est bien avec lui. Allez, on est parti. Voyez, il rejoint la course. On a vraiment l'impression que c'est d'autres joueurs, mais non, c'est vraiment des machines. 3DS Circuit Todd. Ouais, donc voilà, ça c'est. Il l'a peut-être mis pour l'autre, j'avais pas vu. J'ai jamais joué sur 3DS Super Mario Kart, donc je connais pas les circuits. Donc l'autre c'était peut-être aussi un circuit 3DS. Je les connais pas. Donc on va essayer de faire un super départ. Oubliez pas, il faut appuyer quand il y a écrit 2, 3, 2. Allez, on est parti. Vas-y, voilà. On les a bien corrigés au départ, on est propre là. On commence, on a direct 912 points. J'ai pas vu si... Hop là, je la tire derrière. Et toucher Yoshi. Voilà, au suivant. Il avait qu'à pas être aussi près, hein, ça lui apprendra. Hop là, voilà. Ah, ça fait quand même des petites étincelles dans les virages. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des virages avec un turbo à la fin comme on a avec les aides de couleur? Une peau de banane, qu'est-ce que tu vas me donner quand on est premier? Hop là, une carapace, vas-y, touche-moi quelqu'un. Ah, il y avait un petit turbo sur la droite, donc avec un petit tremplin. C'est-à-dire on doit pouvoir couper ici, mais il va falloir avoir un champignon pour le faire. Ah, j'ai vu aussi sur un site spécialisé, la liste, ils ont commencé à faire la liste de tous les items, c'est intéressant. Ouais, je connaissais même pas, de tous les nouveaux items principalement, ouais, j'ai pas réussi à l'avoir, dommage. Dommage, dommage. Et ouais, tous les nouveaux items donc qu'on connaissait pas, comme le champignon qui fait grandir, etc. etc. C'était sympa à voir. Donc, je crois que c'était sur le site de jeuxvideo.com que je l'avais vu. Hop là, vas-y, est-ce que je saute par-dessus le pont avec l'élan? Non. Ah si, voilà. On est bien là. J'ai raté les pièces, c'est dommage. Ça gêne pas tant que ça, l'encre. Mais ça a jamais gêné beaucoup l'encre dans tous les mailles. Vous voyez, là, on peut passer, mais il doit falloir un turbo pour passer en fait. Ça doit être ça, parce que la dernière fois quand j'ai coupé sur l'autre circuit, sur le circuit Mario, quand j'ai coupé, j'avais un turbo justement et je l'avais utilisé. Alors on en met une deuxième, comme ça mine bien le terrain. Il y a une anti-premier qui arrive, elle sera pas pour moi. Voilà, et il a gagné. Ah non, ah si, il a gagné, dommage. Bon, deuxième, 3158, c'est pas terrible. Mais c'est plus qu'il ne le faut, donc normalement, je vais obtenir... le nombre max d'étoiles, sauf erreur, puisque j'ai passé les 2250, les 1913 ici, tu me donnes toutes les étoiles, c'est 2800, ouais j'ai toutes les étoiles, super, donc voilà c'est ce que je vous disais, il n'y a pas besoin de finir en première position pour avoir toutes les étoiles, en revanche pour améliorer le score, il y a besoin de finir dans la meilleure position possible. Troisième circuit, le Mont Ebouli, je le connais. J'ai déjà joué, alors sur quel support, je ne sais plus, mais le Mont Ebouli, j'y ai déjà joué. Donc on va voir, là il va nous le dire où c'est qu'on est, Mont Ebouli 3DS. Ah mais c'est bizarre. Bah non, j'ai déjà lu alors. Pourtant ça me parle le Mont Ebouli. On doit l'avoir dans d'autres environnements de Mario, on doit l'avoir. Ah j'ai raté parce que j'ai appuyé une première fois comme un blaireau. Allez, on est reparti. Voilà, on suit tranquillement. Voilà. Est-ce que ça nous ralentit? Ouais, ça nous ralentit si on le tape donc. Hop là, une petite banane tranquille pour Skeletex là. Hop, on a Toadette qui nous suit. D'ailleurs, elle fait mieux que nous suivre puisqu'elle est devant nous. Et Todd, c'est un délinquant, hein, la famille Todd là. S'il pouvait arrêter de me passer devant. Donc là, on essaie d'attraper les pièces et pas se les faire voler. On tire surtout pas en l'air.
parce que sinon on risque. Alors je sais pas comment ils ont fait les carapaces rouges là, mais dans les autres, vous tirez en l'air, elle tombe au sol, donc on perd. Forcément sa carapace, on la tire pour rien, surtout quand tout le monde est en l'air. Tac. Parce que elle peut prendre un tremplin, mais quand elle part directement en l'air, elle était ramenée au sol sur la façon barrière. Encore une fois, vous voyez, je passe sur une case qui a déjà été prise, et ça n'empêche que immédiatement j'ai un item. Ce qui me. Oh là, c'est chaud! Là, faut vraiment pas se la prendre. Hein. Ce Raptod, il s'était pas pris non plus. Une suite Odette aussi. Faudrait que. Temps de vol, vous voyez, je prends des bonus au temps de vol aussi. Plus 12 points, plus 101 points là, parce que j'ai sûrement un item qui a touché quelqu'un. Ou je ne sais pas, j'ai pas eu le temps de lire. Je conduis pas très bien. Ça doit être peut-être un peu plus facile quand on conduit en mode. Avec le mode gyroscopique là. Je crois que c'est. Non, l'accéléromètre, pardon. Avec le mode de l'accéléromètre, c'est peut-être un peu plus facile, il suffit de pencher et ça tourne peut-être moins de façon moins sec. Parce que là, quand on joue au doigt, c'est bien, mais pour faire des virages, quand on va commencer à vouloir tourner plus largement, ça tourne vraiment quand même, ça manque de, je dirais, de granularité dans la puissance du virage. C'est-à-dire on passe soit d'un truc qui tourne doucement, ou soit ça tourne très vite. Et pourtant, je bouge vraiment pas beaucoup le doigt, donc... ça c'est un petit peu dommage, c'est vraiment ce qui est un peu plus pénalisant, mais bon, ça va, on s'habitue, ça reste de l'ordre de l'acceptable évidemment, sinon le jeu ne serait pas le succès qu'il va être, parce que là franchement, boum, on est bien, figure, je sais pas quelle figure j'ai fait, mais on finit, combo plus 4 et terminé. Ouais, ce qui rapporte bien des points c'est les combos, hein. Et pour faire des combos il faut quand même ramasser des items qui commencent à être high level, genre les items en multiples, les masses bombes ou la triple carapace ou ce genre de choses. Ok, on est passé level 3 et donc on a débloqué la 150 CC. Parfait. Donc on avance tranquillement, on a fait premier, deuxième, premier. On reprend encore des points, on prend des points bonus sur les cartes. Je vais évidemment avoir toutes les étoiles sur celui-là. Et normalement, on arrive sur la dernière épreuve bonus. Hop là, comme vous l'avez vu, hein, c'était vraiment la première fois que je fais chacun de ces circuits. Si vous arrivez à faire mieux à votre premier essai sur la Jungle Dino Dino, le Circuit Toad ou le Mont Ebouli, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et on va pouvoir tester le Anneau à Gogo. Je trouve ça vraiment sympa d'avoir pensé à faire ça sur la dernière épreuve, une petite astuce pour nous aider à apprendre à jouer. Évidemment, il faut pas... je pense que c'est apprendre à jouer parce que l'autre c'était le départ turbo, on va voir ce que c'est ça. Donc avant de faire... Une remarque, on va regarder si c'est bien ça quand même. Faut traverser les 5 anneaux. Donc 3, 2. Hop là, on est parti. Boum. Allez, vas-y. 1. Là, il n'y a pas de temps. 2, 3. Non, il n'y a pas de temps. C'était 2. D'accord, c'est des. Ah, faut en traverser 5. D'accord. Et... Ah, donc, on va voir ce que ça me rapporte. Parce que c'est dommage qu'ils prennent pas le temps. Parce que là, ça aurait été bien d'avoir le temps. Un turbo que je peux user quand je veux. Évidemment, on l'use pas en tournant. On l'use dans la petite ligne droite qui suit. Attends, on va voir s'il y a le temps. Parce que ça peut être bien s'il y a le temps en revanche. Parce que ça peut pousser à s'améliorer. Sinon, il faut. Oh, je l'ai eu. Ouais, j'ai eu de la chance. Hein. Je méritais de le rater celui-là. Hein. Ok. Réussi. 27. Il en fallait 5. Ça va. Ils étaient larges. Hein. En tout cas, je pensais que c'était peut-être quelque chose simplement pour nous apprendre à jouer comme la première qui nous expliquait le départ. Là, non, c'est bien. C'est des petites épreuves comme ça. J'ai toujours apprécié dans ce type de jeu, quand il y a des petites épreuves comme ça, elles sont bien sympas. Hop là. Bon, je prends 2 pièces d'or. C'est pas le but d'obtenir la pièce d'or, c'est plus 7 heures. Voilà, on a débloqué. Ouais, n'hésitez pas à refaire les courses pour améliorer vos records et vous n'hésitez pas à me donner, encore une fois, en commentaire, votre premier score. Vous l'avez fait pour la première vidéo. Je vois qu'il y en a qui sont des PGM directement de Super Mario Kart. N'hésitez pas à me le mettre là, je suis curieux. Autant sur Circuit Toad, ok, vous allez me latter. Autant Jungle Dino Dino, j'ai quand même fait un bon score. Je pense pas que vous allez me mettre tout de suite des 3 ou 4000 points dans la phase, donc je suis curieux de voir. Et on a débloqué la nouvelle coupe qui sera la coupe Yoshi. Ça sera l'occasion de faire une nouvelle vidéo sur ce nouveau super, non, pas super, Mario Kart Tour, tout simplement. Je vous souhaite écouter un bon jeu à tous, éclatez-vous bien sur ce Mario Kart. N'hésitez pas à laisser un commentaire, mettre votre score, à lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus.